Ni hao, je suis Greg le Geekou, j'ai du présenté, mais je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT chez Geek avec une spéciale Zombie Mi 3, avec le Zombie Mi 3 de toutes les couleurs et les accessoires qui vont bien avec. Voilà, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. Alors, vous explique tout ça après générique et après Pan Geek. Aujourd'hui, on va vous faire une petite spéciale Xiaomi, hein, ça va vous détendre. En fait, on voulait vous présenter les nouveaux Xiaomi, enfin surtout les nouvelles couleurs qui étaient annoncées déjà depuis un petit moment, mais qui n'étaient pas disponibles. Alors en fait, peut-être que vous connaissiez déjà le Xiaomi en gris. Maintenant, vous pourrez aussi également avoir le Xiaomi en noir. Très sympa, ici. Et pour finir, le Xiaomi en blanc. Bah alors, cette robe, bah alors va plutôt bien en fait, vous allez pouvoir vraiment adapter votre Xiaomi en fonction de votre voiture, de votre robe ou bien de votre femme, si vous en avez plusieurs, si vous avez une noire, une blanche, une grise par exemple, vous pourrez mixer un peu. Donc bah, la finition est plutôt jolie, ça permet vraiment de choisir le Xiaomi en fonction de ses envies et surtout si vous avez des affinités couleurs, bon, ça permet un petit peu de diversifier, mais on aura bien aimé. C'est vrai que ça fait des téléphones qui sont très très sympas, très très design, et qui en plus se sont joints à de nombreux accessoires. Alors le premier accessoire, ça sera pour nous le film protecteur, hein, qui est l'accessoire le plus simple. Vous découvrez si vous êtes ébahi, l'accessoire quasiment indispensable, hein, vous voyez, bien découpé comme il faut pour pouvoir mettre sur votre téléphone. Voilà, c'est un petit accessoire qui est quand même forcément un petit peu indispensable, et au prix de, alors, le film protecteur 80 centimes pièce ou 2,90€ pour 4, hein, je veux dire, c'est quand même pas cher, 3€ le 4 film protecteur, c'est pas mal. Ensuite, le deuxième qui va nous intéresser, ça sera le film protecteur en vert. Oui, vous n'avez pas rêvé, en fait, le film protecteur, il est en vert, vous voyez, on peut pas le tordre, comme ça, si on le tord, on va le casser. En fait, c'est simplement un tout petit film protecteur en verre de 0,3 mm, vous voyez, très très fin, que vous allez pouvoir coller sur votre téléphone et qui va vous sauver la vie certainement plusieurs fois. Ça veut dire, bah, quand il sera trop rayé, bah, vous pourrez le changer. Quand il sera cassé, par exemple, s'il y a un choc, et ben, c'est la première couche. C'est un peu comme le blindage, hein, des voitures. Bah, par exemple, vous aurez un téléphone par balle aussi, par occasion. C'est le premier film qui va prendre. En fait, c'est deux films plastiques, et au milieu, il y a un film de verre. C'est-à-dire que si ça se casse, en fait, c'est le verre qui se casse au milieu, et en fait, bah, votre téléphone sera sauf, et à mon avis, ça va vous sauver la mise pour pas mal de fois. Donc là, c'est un accessoire qui, forcément, que nous, on a vraiment kiffé, pour la maudite somme de 9,90€. Alors, c'est un peu cher, mais je peux vous assurer que c'est quand même bien moins cher qu'un écran. Ensuite, accessoire suivant, les silicones. Ouais, les housses en silicone. Donc là, toujours simple, hein, des housses en silicone assez souples avec les découpes. Donc vous allez avoir toutes les fonctions du téléphone. Bouton volume plus moins, bouton power. Vous allez pouvoir voir l'appareil photo. Et vous allez pouvoir surtout choisir des couleurs. Ce qui est disponible au début en blanc, en rose, en bleu et en noir, qui sont en fait des modèles opaques où on peut voir un petit peu à travers, translucide, opaque, ce sera comme vous voulez. Et là, encore une fois, c'est l'accessoire qui est pas indispensable, mais qui est fortement conseillé pour votre téléphone. Le prix, 1,90€. Quand même, là, c'est quand même pas mal. Ensuite, on attaquera par notre premier étui, parce qu'en fait, il y a deux étuis. Il y a ce petit modèle qui est le modèle le plus simple. Ici, un modèle noir dans lequel il y a une petite coque à l'intérieur. Vous allez pouvoir mettre votre téléphone ici. Vous avez également la possibilité de mettre des cartes de crédit à l'intérieur. Vous allez pouvoir poser le téléphone en fonction vidéo. Si vous voulez regarder un petit peu des films, des choses comme ça, ça fait un produit qui est simple. Vous avez vu, la qualité est quand même très 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 bonne. Le produit est bien fini, c'est une espèce de TPU. Voilà, c'est pas vraiment du cuir, c'est un TPU, une matière assez agréable au toucher. On aura bien aimé la maudite somme de 5,90€. Oui, voilà. On finira par les étuis Belkin, qui sont quasiment les meilleurs étuis qu'on a pu nous voir directement sur le market, qui sont des étuis de la marque 1 Belkin, donc c'est vraiment une très très bonne marque, et ensuite qui sont très très bien finis, très très quali. Donc on retrouve une coque à l'intérieur. Vous allez pouvoir mettre le téléphone ici, vous allez avoir accès à toutes les fonctions du téléphone, volume plus moins, l'appareil photo, et la petite fenêtre qui va bien, qui va vous afficher l'heure du téléphone sans avoir besoin de l'ouvrir.
Alors après, on regrettera simplement le fait qu'on puisse pas l'ouvrir pour, comme la fonction vidéo de l'ancien modèle, mais le produit quand même plus quali que la fenêtre, c'est vrai que ça fait très 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 sympa. Prix de vente de cet étui, 9,90€, disponible en blanc, en rouge et en noir. Donc voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui sur cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura fait kiffer, que ça vous aura donné envie, par exemple, de passer au Xiaomi Mi 3. Par exemple, c'est possible, vous pouvez avoir envie. Sinon, bah, que si vous passez au Xiaomi Mi 3, vous pouvez également commander des accessoires. Donc le film protecteur, on l'a dit, on va reprendre un petit peu ensemble. Le film protecteur, 80 centimes, ou les 4 à 2,90€. Vous faites une bonne affaire. Le film protecteur à 9,90€ ici. Ensuite, on aura la housse, ou l'étui plutôt, la coque en silicone, 1,90€. L'étui classique qu'on avait vu ici à 5,90€. Et enfin, les étuis Belkin à 9,90€. Parce qu'encore une fois, les voir en photo, c'était pas mal. Mais les voir en vidéo, c'est mieux. Voilà mes geeks, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait des tests high-tech en vidéo avec un petit peu d'humour et qui vous lâche un petit pep à la fin. Ça détend. Et puis, paix et prospérité. Voilà mes petits geeks. Allez, à demain. Bye bye.